formation lui-même pour dire le contraire, bien que argument yo c'est un coup de chante qui t'a dit au vol l'élection, mais elle est intervenue ou pas jamais joindre de preuves tangibles qui montrent qu'il était prêt à l'élection en amène tout. Et ben c'est comme ça tout, Jovenel Moïse pas gain des arguments solides pour accrocher à pouvoir jusqu'à 2022, si ce n'est que la comté était montée dans la jouissance effective du pouvoir en 2017, qui, si vous avez 5 ans, vous l'avez voyé en 2022, mais sauf que président Jovenel Moïse blié et que, à cause de désordres qui toujours gagnent ici, élection par exemple fait à temps, législateur, t'es dit, y'a pas qu'à suivre des ordres n'est politique à faire, y'a t'es prendre des dispositions, à savoir, dans l'article 134.2 et même dans le décret électoral là, tout, et dans l'accord président Privert, pour y'a t'es harmoniser tant électoral à tant constitutionnel, pour qu'on séquence pour ça, et que quel que soit le non vagabondage, nous décidons de faire élection, hein, sans pas garder, yo considérer qu'on date qui retenue, qu'on date qui fixe, c'est en donne pour faire tout ce qu'on fait, même si vous êtes monté 2 ans après date où t'es doué monter, mais l'on a quitté. C'est toujours la 5e année de la présidence, c'est comme ça yo considéré, et président Jovenel Moïse tellement comme ça, c'est lui-même qui t'est pressé prendre tweet, nous sommes l'année dernière, janvier 2020, pour le constater, caducité, bien que ce n'est pas le cas, c'est dysfonctionnement, puisque ce n'est pas tout le Sénat qui est prêt à aller, il était jubilé pour ça, et on voit dans plusieurs interventions que le président a toujours multiplié, il a toujours montré que le Parlement, c'est un coup, c'était un gros obstacle pour lui. Et que grand série de bagailles, pas tab jam ka fait si parlement ça a été là. Donc, les profiter, la multiplier décret de bagailles absolument sans sens, illégal d'ailleurs, où elle embarqué dans le projet nouvelle constitution d'ailleurs hier, yo présenté ça. Ta nouvelle constitution, Jovenel Moïse, là, mon ouais, c'est dans l'indifférence totale, PIA, qui pas branché ça, puisque c'est à faire fin mandat, Jovenel Moïse, que PIA a parlé, et journée, jeudi, hein. Donc, l'on atmosphère, ça, c'est sûr que, ou non, forme de provocation de population, hein. Provocation qui fait que tout le monde a un bon langage et qui pas contrôlé ou elle à travers les émissions de Lib Tribune, mon yo pas les lettres, mon yo vexé, mon yo énervé, yo pas comprendre logique là, et gain des députés que président Jovenel Moïse voye a laissé 3 ans yo gain, nous citer plusieurs exemples, par exemple Milien Hommage, l'opran député Manès, par exemple, et plusieurs autres encore que nous n'avons pas cité, même Benjamin et Gerda Benjamin, tout le monde n'a pas réussi à combler 4 ans, mais il n'a pas fait rond au monde, il connaît la législature fini, il connaît que Jean-Michel Dillon a harmonisé tant électoral à tant constitutionnel, et il y a des sénateurs qui connaissent lui pour 6 ans, président voyait aller, mais il faut président connaît, bagaille ça a privé sous lit tout. Donc, jeudi, hein, président, il a considéré que mandat fini, mais il a fait en rébellion, et c'est ça que fait en pile force dans le pays, en pile force morale dans le pays, dans la société civile. Adressé directement avec la police nationale d'Haïti, qui rentrait dans une forme de répression systématique pour le faire plaisir à Jovenel Moïse, je dis, ok, n'a pas gardé si au-delà de 7 février, n'a pas prendre l'ordre dans le président Moïse pour venir craser manifestation toujours, alors que nous-mêmes, tout nous à l'école, les policiers, ça va vous dire, sont imbéciles, nous à l'école, à la constitution, à la 134.2, à Ouais, Salbaou, pour est-ce que ou ka continue prendre l'ordre dans la main un citoyen qui lui même hors la loi et kap mando pour réprimer des monde qui gen des revendications justes et légitimes kap dit
mandat ou fini, faut qu'on quitte ça. Alors, c'est ça le débat. Et c'est ça qui empoisonne vie politique là. Ces jours-ci, hier, t'es une manifestation Léogane, t'es une manifestation Okaï. Et demain, dimanche là, l'opposition plurielle prévoit pour manifester dans tout pays. Et c'est ceci sans discontinuer, puisque y a des mouvements chaque jour jusqu'au 7 février. Et lundi et mardi, nous entraînons grève générale, qu'on pas qu'on a qui ça le cas abouti. Parce que si pays a répondu effectivement à grève, là, le rite la Kaeli, est-ce que nous pas pensé que au cas tout été, juste pour garder sa cap fait après 7 février, parce que d'ailleurs, il y a de l'école qui déjà bail vacances, et pour après 7 février, donc ça veut dire son pays pratiquement fermé, que nous prenons le gain là, avec des conséquences extrêmement graves pour l'économie, pour tout le bagage, puisque lors du pays fermé, c'est contribuable, pas vin payer, c'est l'État, on manque à gagner, cap gain pour l'État. Alors, là, ça, acteurs politiques, particulièrement président Jovenel Moïse, il vient pour le poser peut-être les questions pour le dire, est-ce qu'elle a mis plus haut que la nation, les intérêts de la nation, plus haut que pays a pour intérêt mesquin, juste pour le goût, mais pour un des mandats que nous connaissons. Que même si ou pas t'avaler 7 février, ou après le fourrer nous dans une situation d'un pays ingouvernable, parce que 3-4 pays a déjà dit eux-mêmes, ils pas nan ou, yo pas reconnaître ou comme président légitimité qui était déjà très affaibli, qu'on y avait presque pas existé. C'est cette grande question que président Jovenel Moïse a bien lui-même pour le répondre à conscience li par rapport à gros défi qu'a vin là devant nous. Donc, j'en dis, avant hier, yo pas de douce du tout. En pile côté dans le pays, a été loc, puis bandia, ça me prend la rue. Oui. Hier encore, à la suite de l'opération, la police était menée la veille, et bandi était pratiquement barricadé toute zone Badelmayo, et puis, en pile des ordres, Kounia pouvoir rentrer dans un dilemme, parce que était soi-disant dans l'opération, les États-Unis particulièrement bay pression pour arrêter grand chef de gang barbecue. On est à pouvoir non dilemme, arrêter lui ou tant des mains et main tout gang qui pouli qu'il fédérer qu'il contribuer dans météo sous pied à pouvoir que si on prend barbecue avait dit youn pas et Jovenel Moïse tant coup pas respecter moule engagement vis-à-vis de eux-mêmes et que yo tout cas en danger so ouais il a réagi c'est ça il a montré hier tout d'ailleurs pas prendre tout ou a gagner et so qu'on pression parce que Jovenel Moïse pas occupé organisme droits humains ici ni secteur politique ni société civile cap dit que barbecue c'est chef de gang la travail pour lui ça pas jamais intéressé c'est États-Unis qui fait la fête sous que colle ça et s'il pas prend barbecue tout le pas prend l'autre et ben j'ai États-Unis papa continuer tolérer des autres ça avec c'est ça y aurait les un vrai dilemme pour pouvoir c'est ça y aurait les des deux côtés le mal est infini pour un pouvoir en tout cas jouer ça et non pas rentrer là-dedans c'est yo même qui était qu'on a entretenu yo pas oublier l'été qu'on a manifestation longtemps yo qu'on démarré des fois devant perpétuel et puis manifestation a démarré avec des milliers de monde parce que Bel Air pour qu'on parle compte pour te plein manifestation en lagan yo qu'on démarré bon Saint Jean Bosco depuis quelque temps nous pour pouvoir, eh ben, et général barbecue, pas tolérer bagay sa yo fait, moun nan Bel Air, pas jamais ka sorti à la manifestation, d'ailleurs plusieurs fois yo boule kayo, moun yo qu'on a couru avec ti sac. Pour ti sac rad sous tête yo pas même kon côté ou pral dormi vin dormi chan mas donc laisse ça n'a dit pour qui est yo t'a travail alors journée jodi an et Jovenel Moïse non situation côté faut li agi parce que met li patronni a balle pression pour barbecue la police et
pratiquement bay conférence, c'est directeur AI Police là, Léon Charles, qui dit renouveler détermination pour le mettre hors d'état de nuire tous ceux et toutes celles qui transgressent la loi et qui favorisent un climat d'instabilité dans le pays. Mais monsieur tout reconnaître que bagayo pas facile, la psychose gagne lentement la République d'Haïti à cause exaction ça yo k'ap fait tout partout, kidnapping tout partout, la police qui mandé support population pour li ouais si la mette fin à bagay si la, mais nous déjà dit Léon Charles sans réelle volonté politique pour ça, la difficile parce que gende moun wap traqué, c'est contact direct par les nationaliers. Le par exemple nèg a fait manifestation demandé pour révoquer ministre et puis 4 jours après ministre révoqué, Léon Charles wap comprendre que nèg sa yo pi puissant passé yo, donc c'est pas comme ça ou pral déloger yo, et sinon wap gen gros problème. Kidnapping nan mes amis continuer faire rage. Hier soir, dans Delma 31, de citoyens qui tapent saute l'église. Oui, n'est-ce pas non à faire et qu'un respect pour rien. Ils ont kidnappé 3 moun et comme il a demandé ce gros l'argent, 1 million $, ça qui t'a fait un mouvement protestation dans toute Delma 31 hier soir, t'as une barricade pour dénoncer situation ça et kidnapper au terrelé pasteur l'église là, il a expliqué au moun yo pas gain l'argent. Nangoumen, yo descend à $500,000 américains. Mes amis, qui famille haïtienne modeste, qui pape nan rôle dans l'état, pas nan corruption, jounen jodi a qui ka réuni $1,500,000 pour le pot bay bandi pour la gemoun. C'est dans situation nouye, ça a nouye, plusieurs autres cas, que certainement nous poko confirmé, que yo rapporté nous. Et cap passé qui montre que son pays, même sans grève là, que Jovenel Moïse était déjà fermé avec situation si là, la pérèse qui régnait dans le pays. D'ailleurs, toute semaine, on a regardé en pile rue dans Port-au-Prince Blanche, là, on descend, et viré tourner, gagné en vin, en côté. Donc, on sentit, c'est un coup son baril de poudre qui prête à exploser. Et puis, alors, où est son pays? Effectivement, Jean, citoyen, ça a écrit dans l'article publié dans le journal Le Nouveliste, n'a parlé de Claude Bernard Célestin. C'est une association de malfaiteurs qui prend Haïti en otage. Leur stratégie marketing consiste à nous forcer, à nous accommoder à la situation, à nous faire croire que rien ne changera, à nous faire peur de prendre position contre le mal ambiant, à nous faire dire que ceux qui empêchent au pays de fonctionner, ce sont ceux qui revendiquent. Souvent, ils vous disent à quoi a servi 1804, à quoi a servi 1986, à quoi a servi la mobilisation de 2004, à quoi ont servi les diverses opérations de pays loc, notamment celui de septembre-novembre 2019. Le pouvoir et ses alliés politiques et économiques souhaitent nous manipuler, nous endormir. Ce n'est pas parce que nous n'avons pas encore de victoire définitive que nous devons cesser de nous battre. Nous apprenons plutôt de chaque expérience. Les vrais loqueurs, ce sont eux, qui vrai applaudent leur pays à ces yo. Ils sèment chaque jour les graines de la violence et du loque parce qu'ils renforcent un système d'oppression politique et économique, d'exclusion politique, sociale et économique, chaque jour par leurs déclarations arrogantes, indécentes et leurs mauvais choix de politique. Ils font germer la violence, oui, ils sont violents
au quotidien. Par leur main mise sur le budget national, ils vous enlèvent le droit à la santé, à la sécurité, à la justice, à un environnement de qualité et ils enlèvent à vos enfants le droit à une éducation de qualité et à une vie heureuse dans la dignité et en dehors du siècle de la corruption et de la malhonnêteté. Un président dont le nom est associé à toutes sortes de mauvais coups, une flopée de ministres non à la hauteur de leurs fonctions, des sénateurs soupçonnés de crimes, de kidnapping, de détournement de fonds publics, contrebandiers et trafiquants de toutes sortes de produits illicites, des juges inféodés au pouvoir exécutif ou qui se vendent aux nantis, une direction de la police nationale d'Haïti visiblement inféodés au pouvoir, des policiers qui terrorisent plus qu'ils protègent, une bourgeoisie d'affaires et des aspirants bourgeois qui s'intéressent seulement à leur argent et veulent s'enrichir en grande partie grâce à des pratiques malhonnêtes, des politiciens affairistes, une pléthore de technocrates sans patriotisme et sentiment d'appartenance, motivé seulement par la recherche du changement de statut social et économique, un trop gros nombre de journalistes cachent la vérité, vivent de chantage et de propagande, une prolifération de gangs terrorise une population sans répit, ce n'est pas normal et ce n'est pas acceptable. Évidemment, la responsabilité de Jovenel Moïse et de tout son gouvernement est plus grande, car ils sont placés et payés pour défendre les citoyens et la patrie. En ce qui me concerne, tous les membres du gouvernement de Jovenel Moïse et lui-même doivent être accusés de crimes contre l'humanité et de crimes de haute trahison contre la nation haïtienne. Société, réveillez-vous. Notre indécence a dépassé les limites du pensable, ça pue de tous bords, maquillage, opération collé-piécé, opération de relooking, etc. Et de façades ne sont plus de mise en Haïti depuis belle lurette. Et oui, Haïti a vraiment besoin d'un lock, d'une fermeture pour restructuration, d'une purge, d'un nettoyage, lavage à pression, d'une chirurgie sévère, d'une désinfection, d'un assainissement profond. Refuser de les faire aujourd'hui consiste à refuser de libérer une énergie qui s'accumule et qui demande à être libérée. En l'emprisonnant de force, nous ne faisons que multiplier la magnitude de l'explosion qui découlera lorsque cette énergie ne sera plus contenable. Le mal est profond, si profond que sans une intervention d'urgence et de choc, notre mort individuelle et collective est certaine. Le mal n'a jamais peur d'agresser le bien. Il est venu maintenant le temps pour le bien d'agresser le mal sans hésitation. Claude Bernard Serrant, Claude Bernard Célestin, c'est vraiment un très, 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 très beau texte, très profond, sous question syllabe. Alors, grand pile, moun, Lovensky, je dis toujours plein, dit au paroi alternative, l'opposition politique a dit, Jovenel Moïse, faut que l'aller, mais au pas dit, qui ça qu'a fait, eh ben, jeudi, samedi, à là, c'est un gros pas qui franchit, puisque pour une fois, les grands secteurs de l'opposition politique, grand secteur de la vie nationale, ils ont réuni déjà, l'accord est déjà trouvé, mais signature de Texas, c'est pral pour matin là, côté au pral parler d'une seule voix pour essayer de venir avec une proposition de sortie de crise qui pral pratiquement engagé tout secteur dans la vie nationale. C'était déjà une très grande première pour causer cela. D'ailleurs, sénateur Latortue a gagné, maintien intervention l'a fait sous
départ Anthony Barbier a pour lui porter des précisions sur ça. En pile événement, en pile fait, Lovensky, que c'est au condensé nous obliger prendre yo. Par exemple, pas oublier hier, journaliste yo t'es dans la rue, confrère, consoeur yo t'es dans la rue, collaborateur tout, parce que yo victime en pile de brutalité policière, yo t'es non manche, et yo t'es allé, yo t'es plusieurs centaines, maintenant des messieurs pas milliers plus, ça me déroule, yo t'as devant OPC, yo t'as devant et ministère de la justice pour dénoncer brutalité policière que y a subi dans exercice métier yo. Nous songe n'était parlé de ça notre collaborateur Réginal Rémy était recevoir des projectiles dans bras et pendant le tap couvre manifestation 20 janvier manifestation pour qu'on même démarrer et la police sans doute était ouais grand pile monde parce que Jovenel dit piga nous quitter presse internationale là oui qui commence présent pile ici grand pile journaliste étranger qui vini semblait au concentre alors et li pa vle en pile moun resi réuni donc yo té six mains gaz lacrymogène et balle en caoutchouc et même balle réelle sous manifestant yo té gen pile confrère qui té blessé gen en pile tout moun qui té et suffoqué en bagage sa yo et ça arrivé plusieurs fois journalistes yo dénoncé hier Barreau de Port-au-Prince lancé une pétition pour demander justice pour Montferrier d'Orval. C'est déjà 5 mois, pas rien qui fait. D'ailleurs, juge qui en charge question ça, lui obligé voler gaguette tellement la prend pression parce que il pas avlé la vérité faite sous question si là, mais Barreau de Port-au-Prince avec Madame Suzy Legault, que nous toujours félicité pour engagement, pour courage, li, eh ben, yo lancé une pétition pour yo mander tout confrère et yo pour yo signer pour mander justice et parce que yo dit cas ça pas prêté même gens avec bonne l'autre cas qui t'est passé comme si pour moun pa gen jam gen vérité sous ça t'est passé dans causé si là yo plus que jamais déterminé et sous situation chaotique pays à vivre. Pas oublier, c'est pas seul haïtien qui intéressé dans situation de vie meilleure pour nous. Gain en pile les amis dans la communauté internationale là qui baille pression tout parce que yo dit régime ça son régime qui a encouragé bandits, encouragé et que yo fait maltraitance et merci il fait maltraitance sous population hein gagnent des députés européens qui écrit avec haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité de la Commission européenne vice-président Joseph Borrell pour dire ceci monsieur le vice-président haut représentant La dernière crise que traverse Haïti dure déjà depuis 2018 et risque d'entériner un changement constitutionnel autoritaire et illégal. Depuis plus de 2 ans, le peuple haïtien se soulève avec courage pour la transparence, la justice et la démocratie, malgré l'accroissement de l'insécurité et de la pauvreté dans le pays. Les manifestations s'élèvent notamment contre la corruption minant le pays et révèlent que 1,5 milliard d'euros détournés, 4,2 milliards de dollars américains détournés dans le cadre du scandale Petro-Caribé, y compris au profit des proches de l'actuel président Jovenel Moïse.
Un cap a été franchi ces derniers mois avec la multiplication d'assassinats et l'annonce du gouvernement d'organiser une réforme constitutionnelle et des élections en violation de la constitution haïtienne et des traités internationaux. Des gangs armés dont les liens avec le pouvoir ont été documentés sévissent en toute impunité. Depuis deux ans, l'Union européenne a maintenu intactes ses relations avec l'actuel président Jovenel Moïse, sans action réelle contre les massacres ni démarches en soutien au procès lié au scandale de corruption pétro-caribé. D'un côté, l'UE interroge les conditions actuelles pour des élections libres et légitimes. De l'autre, elle n'envisage de solution qu'avec et par le biais du président Jovenel Moïse. En somme, aucune diplomatie européenne alternative à celle déployée par la Maison-Blanche de Donald Trump n'est développée. C'est un coup, l'Union européenne en forme de suivi, avait dit c'est ça, États-Unis de Donald Trump qui parle encore, fort heureusement, et à suivre. Cette politique est un échec. En deux ans, il n'y a eu aucune avancée sur les procès des divers massacres perpétrés, dont le plus grave, celui de La Saline, ni sur le scandale de corruption pétro-caribé. Les gangs armés se sont multipliés et renforcés. La dérive autoritaire du gouvernement fonctionnant par décret, sans contrepoids parlementaire, limitant les instances de contrôle, s'est accélérée. Le Bureau intégré des Nations Unies en Haïti a documenté 159 personnes assassinés et 92 autres blessés, y compris des enfants, entre janvier et juin 2020. En raison de la violence liée aux gangs, des enquêtes nationales et internationales ont mis en cause la responsabilité d'un ancien policier, Jimmy Cherizier, alias Barbecue, ainsi que les liens entre les bandes armées et le pouvoir au point d'évoquer un massacre d'État. Et les violences s'accélèrent en 2020 avec l'assassinat du bâtonnier du barreau de Port-au-Prince, Maître Montferrier d'Orval, le massacre de Bel Air, un quartier populaire du centre de Port-au-Prince, la multiplication des enlèvements et la mise en place inconstitutionnelle d'un conseil électoral. Un appel international « Stop silence Haïti » a été lancé afin de dénoncer le silence et la complicité de la communauté internationale face aux multiples violations des droits humains, y compris sociaux et économiques en Haïti. Il a déjà été signé par les principaux acteurs belges et français travaillant avec ou en Haïti, mais aussi haïtiens, espagnols, canadiens, allemands, béninois, sénégalais et ouguéens, ainsi que par la Confédération syndicale internationale CSI, les coordinations européennes des paysans via Compesina et des ONG en lien avec Haïti, coordination Europe-Haïti. Les préoccupations soulevées par Stop Silence Haïti rejoignent celles du Parlement européen au sein d'une résolution d'urgence adoptée en 2019 et pour laquelle nous n'avons pas obtenu de suivi et réponse concrète de la part de la Commission européenne. L'Union doit répondre aux attentes de sa société civile, défendre ses valeurs et assumer ses responsabilités. Le conditionnement du soutien économique, politique et moral de l'Union européenne à l'arrêt du processus de réforme annoncé et prévu par le président Jovenel Moïse et au retour dans le cadre de la Constitution de 1987. L'appel et l'engagement à garantir les conditions pour des élections libres et démocratiques dans le futur en mobilisant en ce sens la communauté internationale. Le soutien au processus d'investigation sur les massacres contre le peuple haïtien, de lutte contre l'impunité pour la transparence, notamment dans le cadre du scandale Petro-Caribe. Nous vous demandons de bien vouloir donner suite à l'ensemble des demandes formulées par le Parlement européen dans la dite résolution de 2019 et de faire la transparence sur les mesures prises par vos services pour mettre la politique étrangère de l'Union européenne en Haïti en conformité avec son objectif de promouvoir, respecter et réaliser l'universalité des droits humains.
En vous remerciant d'avance pour l'attention que vous porterez à la présente, nous vous prions de croire à l'expression de notre plus profonde considération, les eurodéputés Marie Toussaint, Pierre Herzberger Fofana, Mounir Satouri, Salima Yembou, qui signent l'ETSA, côté Noué, et l'international aussi montré au très préoccupé par la situation de violence qui gagne en Haïti. Et puis, même si nous toujours plaignons et sous institution yo, qui ont des gens bancales en Haïti, mais gagne la Cour des comptes, même si nous pas satisfaits à 100%, et même si nous pas satisfaits à 100%, et mais qui a fait un pile d'efforts, et c'est comme ça, puisque nous connaissons Jovenel Moïse Meton CEP, que mon pagain non pour qualifier, CEP a li fait en dehors de la loi, c'est une série de instances que Jovenel Moïse lui-même créé, qui à l'origine de formel et instance si la yo nous tondé chaque non yo annoncé pour yo c'est tout l'autre secteur toujours a dit yo pas kon moun sa yo et côté Jovenel joine moun sa yo yo désigné et en plus de ça ce conseil pas pour prêter serment devant la cour supérieure devant la cour de cassation ça qui rend que l'Itakou c'est un conseil hors la loi qui usurpateur de titre et en pile crit est soulevé nous croyons que la cour des comptes décrit ça yo et la cour supérieure des comptes yo désapprouvé toute requête CPA prend pour cause d'inconstitutionnalité. Ça veut dire tout projet que remettre que CEP ça baille coup des comptes yo retourner yo parce que yo pas gain légitimité yo inconstitutionnel. Donc la Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif a désapprouvé toutes les requêtes qui lui sont adressées par le Conseil électoral provisoire contesté de Jovenel Moïse pour cause d'irrégularité. La Cour a donc rejeté toutes les demandes formulées par le CEP, tant pour des fournisseurs de services que pour des membres dans le cadre de leur fonctionnement. C'est ça, Renews apprend et nous t'ai parlé avec le président Koua. D'ailleurs, tout et c'est un revers pour le CEP de Jovenel Moïse, dont les membres ont été installés dans leur fonction sans avoir prêté le serment constitutionnel à la Cour de cassation. Le CEP auquel Jovenel Moïse a confié la double mission d'organiser un référendum constitutionnel et des élections générales cette année se retrouve dans ses petits souliers puisqu'il ne peut pas disposer de ceux dont il a besoin pour s'acquitter de manière régulière de sa tâche. Il est donc reproché au CEP son caractère anticonstitutionnel. Autrement dit, la Cour des comptes ne reconnaît pas le Conseil électoral provisoire de Jovenel Moïse. La Cour des comptes a déjà désapprouvé un projet de contrat du pouvoir exécutif totalisant un montant de 49 600 euros pour l'élaboration du projet de la nouvelle constitution de Jovenel Moïse. Ce projet de contrat, truffé d'irrégularité grave, selon une analyse technique de la Cour des comptes, a déjà été exécuté entre la période du 16 novembre 2020 et 16 janvier 2021. C'est toujours après, au fil exécuté, à voyer la Cour des comptes. La Cour, alors tout le monde qui a fait ça, qu'on est PVP, il n'y a pas prétendu des autres ça, et il a gagné pour rendre compte à la nation. Au moment venu, la Cour a rappelé qu'elle n'interviendrait pas sur des contrats déjà exécutés ou en cours d'exécution, ce conformément à l'article 200-4 de la Constitution et au point 1 de son mémorandum en date du 28 septembre 2020. Tout engagement consenti en dehors des prescrits légaux ne sera pas pris en compte par la Cour, a soutenu l'institution de contrôle des dépenses publiques. Oui, et c'est ça. Alors vraiment, la Cour a vraiment secoué colle. Et gagné un gros appel à la nation qui
et des secteurs politiques que on est quoi Himmler rebut appartenu parce que on dit leur est grave et président Jovenel Moïse a fourré non non situation que nous ca regrette et pita nous déjà regrette le colonel Rebu mais pas lui seul puisque sont plusieurs pléiades d'organisations qui fait appel ça à la nation pour demander mes amis côté ça pour aller appel aux citoyens, citoyennes, à la société civile et aux institutions républicaines d'Haïti, citoyens, citoyennes, leur est grave, le chaos guette notre pays et menace ce qui nous reste de souveraineté, l'entêtement du pouvoir plongé dans une gestion à coup de décrets impromptus au mépris de notre existence et de nos légitimes aspirations à cimenter la radicalisation de la classe politique. Le 13 janvier 2020, l'équilibre des pouvoirs a été rompu et notre pays est sorti de l'ordre constitutionnel. La scabreuse gouvernance politique semble vouloir nous condamner à subir la seule loi des bandits regroupés en une fédération de gangs opérant en toute liberté. Le kidnapping, voire la mort, nous sont offerts en partage par ceux qui avaient la mission de nous protéger. Nous vivons tous un jour à la fois. Nous demandons impérativement aux citoyennes et aux citoyens qui travaillent à l'élaboration d'une offre claire et apaisante pour un pays meilleur de finaliser leurs travaux. C'est dans phase et la colo et absien jodien. Nous lançons un appel pressant aux groupes organisés de la société civile, aux forces morales de la nation, à quelques cénacles ou cultes qu'elles appartiennent, aux membres des institutions républicaines comme le Sénat de la République, du moins ceux qui en restent colo, le pouvoir judiciaire, aux partis politiques, aux militants, aux jeunes engagés, à nos sœurs et frères de la diaspora, pour qu'ils organisent la grande concertation nationale pour une sortie ordonnée de la crise et la formulation de propositions susceptibles de projeter Haïti dans le progrès et la modernité. Définissent les lignes de l'architecture d'une nouvelle gouvernance pour Haïti. Et oui. Citoyens, citoyennes, nous avons le devoir de trouver dans la paix les solutions aux multiples aspects de nos actuels tourments. Soyons donc prêts à refaire l'union sacrée qui nous a permis de rompre les fers de l'esclavage. Fait à Port-au-Prince, et signature, c'est Anne-Marie Issa, Clarence Renoir, Emmanuel Chéron, Franz Robert Mondé, Erol Jean-François, Himmler Rebu, Jean-Robert Argan, Marc Guillaume, Sabine Morpo Duvivier, Sylvain Exantus, Tanguy Armand et puis nous gagnons toujours Mario Joseph, Jean-Max Gabriel, Alex Lorquet, Marie Rebecca Guillaume, Wouler Saint-Pierre, c'est tout le monde ça yo qui fait appel à la nation. Et puis, gagnant le secteur démocratique et populaire qui connaît semaine qui pral venir là yo, Jovenel Moïse pral intensifier vagabondage li, pral intensifier répression, oui, alors que le peuple lui-même n'y pas entendre, fait bac, c'est pour ça, il a écrit, on l'a tout l'ouvri, à tout organisme de droits humains, que ce soit en Haïti ou à l'étranger, pour dire, faut yo et puis veillatif, faut accompagner le peuple pour documenter
des autres qui ka fait donc secteur par exemple nous prenons ça adressé à Pierre Espérance là côté on dit monsieur le directeur le secteur démocratique et populaire vous présente ses compliments pour l'engagement que vous avez pris dans le cadre de la protection et la défense des droits humains en Haïti. Il saisit l'occasion pour attirer votre attention sur les actes de violence systématique des droits humains perpétrés par le pouvoir du président Jovenel Moïse sur les citoyens haïtiens et plus particulièrement sur ses opposants politiques. En effet, comme vous le savez, depuis l'avènement de Jovenel Moïse au pouvoir, l'exercice des libertés individuelles et les droits des citoyens d'exprimer librement leurs opinions politiques garanties tant par la Constitution que par les conventions internationales ont toujours été manifestement violés par le régime en place. Cette pratique du gouvernement de Jovenel Moïse a atteint son paroxysme à partir du renvoi du Parlement par ce dernier en janvier 2020 pour s'ériger en seul maître et seigneur de la République. Nous en avons pour preuve l'adoption de divers décrets liberticides. La mise en place d'un système de terreur à travers les gangs armés bénéficiant de la protection du pouvoir exécutif, la poursuite des massacres et la poursuite, oui, des massacres écrits le secteur démocratique, ça c'est tout exemple que vous gagnez et que Jovenel Moïse n'a pas respecté en rien. La poursuite des massacres dans les quartiers populaires hostiles au régime, la répression dans le sang de toutes les manifestations pacifiques organisées par l'opposition politique, les arrestations arbitraires et illégal des opposants politiques, dont celle du sénateur Nenel Kassi et de plusieurs militants politiques à Miragouane, à Petit-Gouave et à Port-au-Prince, le 21 janvier en cours. Le mandat constitutionnel du président Jovenel Moïse prendra fin le 7 février 2021. Le peuple haïtien mécontent de la volonté de Jovenel Moïse de garder le pouvoir au-delà de cette date constitutionnelle entend continuer à faire entendre sa voix pour exiger le respect de la Constitution. Dans cette perspective, il a déjà déclaré la mobilisation générale à travers tout le pays. Ainsi, le secteur démocratique et populaire en appelle aux organisations de droits humains à continuer dans leur prise de position de protection et de défense des droits du peuple haïtien par leur présence vigilante en déléguant des observateurs nationaux et internationaux sur tout le territoire au cours des dernières mobilisations populaires annoncées, ce pour empêcher que le régime dictatorial de Jovenel Moïse ne continue à violer les droits fondamentaux du peuple haïtien. Comptant sur votre indéfectible engagement à accompagner le peuple haïtien dans ses revendications légitimes et constitutionnelles, le secteur démocratique et populaire vous prie de recevoir ces patriotiques et respectueuses salutations. Pour authentification, ingénieur Marjorie Michel, André Michel, avocat, et puis l'ex-député Ulrich Saint-Cyr qui signait et lettre ça que vous adressez avec presque tout organisme droits humains, même ça qui est à l'étranger, tout, qui écrit des congressmen, des sénateurs au Congrès américain. Pour yo mandé yo pour yo voyager sous sa cap passé en Haïti côté les droits systématiques et inaliénables des Haïtiens sont systématiquement violés par le pouvoir en place. C'est certainement dans mitan dans intersection lundi et en l'occasion Kabouine la yo na tourné sous question. Et si là, c'est un pile fait dans l'actualité, mais le agenda a fait la guerre, Lovensky, n'a seulement souligné que l'employé a fait main, l'autorité de l'État haïtien a dit pour corruption, oui,
à quand la fin de la corruption au sein de l'administration publique? Les pratiques de corruption sont sur le point de devenir un phénomène normal dans le pays, car corrupteurs et corrompus semblent ne pas être inquiétés par les organismes chargés de réprimer la corruption en Haïti. Parlant de ce phénomène, ce sont les employés de la loterie de l'État haïtien qui ont pris la décision eux-mêmes de fermer cette institution pour protester contre les pratiques de corruption qui tendent à devenir la règle au sein de la loterie de l'État haïtien. Donc, en pile causé. Alors, on a pu aller observer pause là, Lorenzki, pour nous venir avec panel ramassé matin. Maintenant, juste dit deux petites informations en condensé rapidement. Merci, Maître René Julien, qui pour nous constitution et régime politique expliqué aux citoyens, faut nous lili pour nous venir expliquer et les citoyens yo, le besoin de tout un peuple de fonctionner sous le règne de l'état de droit constitue une urgence du temps, une nécessité de l'heure. Ceux qui nous dirigent depuis belle lurette semblent l'ignorer pour continuer à violer systématiquement la constitution et agir par conséquent dans l'imposture. 23 constitutions, lesquelles n'ont pas pu empêcher tant de drames politiques de nature à horrifier l'atmosphère de la vie publique haïtienne. La majorité des Haïtiens éprouvent souvent une peur bleue de parler de la politique à cause, sans nul doute, de la grande terreur qu'elle suscite dans le fonctionnement de l'État depuis l'assassinat le 17 octobre 1806 de celui qui avait pris la tête de la lutte devant conduire à l'indépendance. Il s'agit de Jean-Jacques Dessalines le Grand. Depuis lors, la prise du pouvoir et la gestion de l'État deviennent une activité de mercenaires. En plus, machiavélique et cynique, les initiatives pour avoir accès au pouvoir en Haïti mettent souvent hors jeu les hommes et les femmes intègres de notre pays pour privilégier des individus qui ont choisi par le fait du système de faire leur noviciat à la tête de l'État. Cela dit, l'effondrement de la République ne l'est pas sans cause. En guise d'alerte sur la situation haïtienne, je termine mon intervention en vous exhortant à lire la troisième strophe du poème intitulé « Cœur brisé » du juriste poète mais Serge H. Moïse, un disciple de l'amicale des juristes. Notre bateau tangue vers le bas, réveillez-vous citoyens soldats, combattez donc toute désertion. Pour qu'enfin renaisse la nation. Marie-Carmel Julien, c'est lui-même qui tape, qui écrit chez page de couverture à l'arrière, évidemment, pour présenter livre Maître René Julien, Constitution et régime politique, expliquer, excusez-moi, aux citoyens, non pas qu'on. Nous n'avons qu'à parler de contribution citoyenne ça a apporté à la lutte démocratique et surtout à l'état de droit ça, que le patarin main fait même chemin avec Tony Barbier, Salvaouais, rêve ça accompli, compliment à René Julien. Voilà, et puis Gagnon et Maître Gédéon Jean qui fait un résumé de situation de l'homme dans le pays pour toute année à son bagage catastrophique. Nous t'ai parlé de ça dans un mi-temps semaine. Nan. Et puis hier, mon bagage symbolique, nous remet Parlement populaire haïtien en fait, il fait procès en destitution du président Jovenel Moïse pour crime de haute trahison. Et c'est sans surprise, il a destitué, mais son bagage symbolique, évidemment, Parlement populaire haïtien qui fait, il y a une chambre députée qui a prononcé la mise en accusation et il y a un scénario qui a été érigé en haute cour de justice pour être jugé.
citoyen. Et puis Jean-René Senatus qui t'a gain pour te répondre à une invitation du juge Higginson et Jimé sous affaire et kidnapping et Arnel Joseph ou songe déclaration sénateur a fait elle était président commission justice dans Sénat ou songe ancien directeur de la police nationale et Michel-Ange Déon qui t'a dit citoyen Yorele Garcia Delva mon cher impliqué à plus que 90% 99 même dans kidnapping si là on voisine et puis Jean Renel qui te dit que oui chez sénateur a gain en pile appel que le passé a bandi ça donc hier et du mété souhaité tendre à titre de témoin Jean-Renel Senatus que mais qui pas présenté les dit li gen trop menace sous dol semaine sa yo en nous renvoyer ça à la semaine après 7 février c'est ça 7 février Jean-Renel Senatus connaît nous gon l'autre pouvoir dans pays et puis gagne un substitut du commissaire du gouvernement Jean-Abnel Rémy que yo voyé en mise en disponibilité sans sol causé à c'est parce que monsieur était libéré yon dealer de drogue connu et dit one et ça a été fait en pile organisme droits humains t'est relé en moué le fait qu'on bagarre comme ça a été fait ben yo mettez monsieur et oui Lorenzki sort dit à moi well tout dans plusieurs stations essence que me passé gaz là recommencé rare encore bah ça son jouette et en tout cas frère Benito qui dit la manne du matin qu'il passé dans 8 station gaz et le pas joindre matin et gen des côtés m'té ouais yo met chaîne et yo dit moun pas rentrer donc situation recommencer encore Haïti son pays pouvoir ça son pays qui fait sèment c'est des dirigeants qui fait sèment pour li faire n'a vivre non situation tant que c'est des cocorates que nous son pays yo cocoratisé merci de votre fidélité à cet espace et pas oublier et le fait du jour c'est le départ pour l'au-delà donc grand combattant on amis oui nous sommes dit un gros combattant on amis on frère on fidèle participant comme invité dans l'émission ramassé et conjoint donc sœur pour nous oui eh ben et Anthony Barbier quitte nous hier soir oui son perte énorme pour la nation et dans commencement et émission là matin avec panel là nous pral gagner quelques réactions pas seulement de monde qui a sous table mais des interventions et pour Dion Timo pour départ et Tony pendant n'a demandé encore à notre sœur Liliane Pierre-Paul Lili pour nous pour lui vraiment un petit verset dans la Bible là on aime pas trop fort mais moi j'aime citer dans moment difficile yo me dit bon Dieu pour le bon courage pour n'accepter ça ne pas qu'à changer ben nous courage pour n'accepter ça ne pas qu'à changer c'est ça me souhaiter pour vous vraiment Marvel dans deux ans minuto me connaît quoi Stéphane Pierre-Paul me connaît quoi Dieu pour nous tout en dedans qu'est-ce qu'il y a alors courage et ça et son passage obligé certainement nous votre couvler pour Tony mais bon Dieu décidé la braler qu'on y est à nous pas qu'à faire rien contre volonté bon Dieu Lorenzki n'a pas pose là nous remercier inviter ça ami ça qui rivé bonheur c'est toujours comme ça il pas jamais retard alors et n'a pas pose là n'a tourner tout de suite à émission ramasser pour jeudi samedi 30.